Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on est mercredi 25 novembre. Déjà une bonne fête à toutes les Catherine et aux Catherinettes. C'est une jolie coutume, je trouve, que cette Sainte Catherine. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça se fait toujours autant. Je me souviens, moi, quand j'étais gamine, beaucoup dans les rues, le 25 novembre, on voyait des jeunes filles avec des chapeaux plus fabuleux les uns que les autres. Et c'était vraiment très joli, mais je ne sais pas si cette coutume des chapeaux de Catherinette existe toujours. Dites-moi si vous en avez vu, vous, ce matin, des Catherinettes dans les rues. Alors, bébé Molly, elle était habillée avec un survêtement Mickey, enfin mini. Ben, j'ai recommencé, hein, on va refaire du mini. Eh ouais, qu'est-ce que t'en dis? Tu t'en moques, toi, tant que t'as pas froid. Elle est très jolie, ma jolie Molly. J'adore cette petite princesse. Je suis. Ces grands yeux ouverts là. Alors c'est drôle parce que j'ai toujours pensé que les bébés yeux fermés étaient plus réalistes et que ce soit Molly, Hop ou Franny, c'est des bébés yeux ouverts. Et bien honnêtement, je trouve qu'ils sont super réalistes aussi. Molly, elle a un regard tellement expressif. N'est-ce pas ma poupette? Mais oui. Alors on va la déshabiller cette demoiselle. J'avais choisi le thème mini et je trouve que le rouge lui va très bien. Alors on va refaire, bah pareil, hein. On va reprendre une tenue mini avec une petite différence. Mais on verra ce que ça va donner après. J'ai peur que ce soit un peu grand, mais c'est pas grave, on va y arriver. On va poser ça sagement à sa place. Lui enlever ses belles baskets qui sont à Eneco. Ah, je m'embête pas moi. Ah, j'ai pas sorti les belles chaussettes. J'avais envie de sortir des chaussettes. Quoi qu'elle a des chaussettes avec mini. Mais non, allez, quitte à changer, autant tout changer. On va ranger ça là. On va prendre des chaussettes. On en a eu plein hier, des chaussettes. Plein, plein, plein. On va lui prendre, tiens, des chaussettes avec des petits cœurs. De toute façon, ça ne se verra pas. Je sais pas ce que je vais, pardon, lui mettre dans les pieds. On va chercher. J'aurais préféré des chaussettes blanches d'ailleurs. J'en ai une paire là. Ouais, elle est toute neuve. Quick. On va ranger les petits cœurs gris. Hop, on va lui défaire son joli truc toujours aussi bien repassé. Je vais lui laisser son body par contre. Il est bien le body. Avec des petites couronnes. Ça se voit pas surtout. Oh, je commence à être enrhumée. Il manquerait plus que ça. Pour finir à la chapelle. Juste la toiture ou le clocher, j'en sais rien. Allez, défais tes jolies chaussettes, poupette. Hop, comment je tiens là-dessus? Ça va devenir des bas de contention, tiens. J'aurais même pas besoin d'aller chercher à la pharmacie, ils seront arrivés. Puis avec Mini, je serai jolie. Bon, ça serait moins triste. Oh là là, quelle galère ce truc-là. Rien que l'idée. Bref, chaque jour suffit sa peine. Hein. On verra demain. Aujourd'hui, on va dire qu'on plaisante hein, et qu'on rit parce que j'en ai marre. Allez, on va lui changer sa couche. Puisque. Oh, j'ai bien tourné ta petite tête, ma poupée, pour qu'on t'admire quand même. Ouais, le temps, il est magnifique. Par contre, qu'est-ce qu'il fait froid? Ah, qu'entend-il? Bon, il y a Zaza de l'autre côté. Hein. S'il y a quelqu'un qui arrive, elle va gérer. Hein. Alors, j'ai pris une couche toute douce. Elle est toute en velours, toute douce. Elle est trop jolie, cette couche. Je l'aime beaucoup. Voilà, on va dire qu'on a fait sa petite toilette à maminette. On va lui mettre ses petits bras en l'air. Zou. Ah, quel temps magnifique. Bon, alors, on a retrouvé la liberté, d'après ce que j'ai compris. À partir de samedi, c'est la liberté. Enfin, soyez prudents, quoi. Alors, bon, je sais, on n'a pas fait les boutiques depuis un moment. Mais j'aurais tendance à vous dire, essayez de ne pas y aller samedi, quoi. Ça va être la cohue, à mon avis. Ils rouvrent pas les restaurants, je trouve ça un peu stupide. Parce qu'à mon avis, vu le monde qu'il va y avoir dans les boutiques là, avec les fêtes, et en sachant que les clusters, ils sont principalement familiaux, je trouve un peu stupide de ne pas rouvrir les restaurants. Mais bon, que dire, sinon que c'est dramatique pour tous les gens qui ont une affaire et qui ont quand même des charges à payer. Ça, ce coût du restaurant et des bars, je pige pas bien. Mais bon, bref, j'ai plus envie d'épiloguer là-dessus. Je m'agace depuis ce matin. Alors, elle a sa petite patte en l'air. Qu'est-ce que tu veux nous raconter, toi, Molly? Tu t'en fous, toi, qu'on aille pas au restaurant? Ouais, bon, allez. On va lui mettre ses jolies chaussettes que j'ai sorties, que j'ai déjà perdues.
Et sans rien, je les ai fait tomber. Bougez pas, partez pas. Vous avez vu la souplesse de la bonne femme un peu? Tu parles de souplesse. Allez, on va lui mettre des jolies chaussettes toutes neuves que Mamie Isa a achetées hier. Elles sont sympas, n'empêche. Bon, c'est un peu grand. Mais je vais rien dire parce que ça va lui faire de la peine et j'ai pas envie. Ça va surtout être pour Madame Franny, ça. Ou pour Ellie et Matine. Mais bon, c'est mignonnet. Qu'est-ce que j'ai choisi? Un t-shirt à manches longues que j'aime beaucoup. C'est Francine qui m'avait offert ce joli t-shirt avec le lama. Je trouve très beau. Je ne sais pas quelle marque c'est, mais je m'en moque un peu tellement c'est beau. Sergent Major, et oui. Cathy Mini, sergent major, c'est des valeurs sûres. Et c'est tellement joli. Alors, je pense que ça va peut-être être un peu grand au niveau de la manche. Mais, on va voir ça tout de suite. Sinon, ben, on prendra autre chose en courant, quoi. Hop, tu me montres ton petit bras. Quick, quick. Quick, quick. Non, ça devrait être bon. Et même si c'est un peu grand, ça ne va pas être le drame non plus. Vaut mieux que ce soit un peu large que trop serré. C'est la mode, il paraît. Ah tiens, on n'a pas allumé. Vous avez vu 600... Ah, oh, il n'y a plus de pile. Ah, 646, je crois, tout à l'heure. J'étais très heureuse. Merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. J'espère que vous vous plairez ici. J'ai reçu des petits messages tout jolis. Alors, Nathaline, t'es trop mignonne. T'es trop mignonne. J'ai été très, très touchée par ton message. Et puis, je l'ai déjà dit, vous allez dire, elle est sénile encore une fois, mais je suis rien, je suis personne. Et si cette chaîne, elle est en vie, et si elle vit, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Moi, je fais que blablater, vous montrer mes passions et mes petits amours, mais sans vous, clairement, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est vous que vous devriez remercier, et pas moi. C'est vous qui méritez les compliments, encore une fois, et pas moi. D'autant plus que j'ai aucun mérite là-dessus, puisque chacun de mes petits amours, il m'a été offert. Donc, j'ai aucun mérite, moi, aucun. Juste celui de vous faire partager ce que j'aime, c'est tout. Ouais, on va peut-être faire un petit revers au niveau de la manche. De toute façon, c'est joli, il y a un petit galon fleuri, donc ça choquera pas. Voilà. Alors, essaye, Marine, tu vas y arriver. Hop! Regardez ce beau soleil que j'ai reçu. C'est une d'entre vous, c'est Rose, qui m'a envoyé ce joli soleil. Au départ, j'avais dit pour le concours, j'avais mis une autre façon de participer. Et plusieurs personnes m'ont dit ça va pas, et puis l'adresse, et puis tout. Du coup, elle m'avait envoyé la carte. Je trouve qu'elle est très jolie, c'est un soleil, et j'en ai bien besoin en ce moment, de soleil, de cœur, d'amour, de voilà. Il est très joli, il est original, et je l'aime beaucoup, donc je l'ai affiché là. Puis il restera même après les fêtes. Alors, je vous montre, c'est un peu grand, mais c'est pas choquant. Et comme on va mettre une salopette, de toute façon, ça choquera pas. Je trouve que le rouge, il va tellement bien au teint. C'est vraiment une couleur qui est très belle sur Molly. Hé, hé, ma poupée. Puis elle est jolie, cette petite fée avec sa couronne. Regardez, c'est le dessin du pull, enfin du t-shirt à manches longues est joli. Il y a un lama, une petite reine, un château. Je trouve qu'il est vraiment très beau, ce truc, le petit nœud dans le col. Enfin, c'est très joli. Il y a une salopette qui va avec cet ensemble, je crois. Mais comme j'avais choisi celle-ci, on va faire autrement. Peut-être que ce sera aussi grand, d'ailleurs. Allez, on continue à couper. J'étais bien partie, là. Le ciseau, il est là. Voilà. Je m'étais trouvé une poubelle pour mettre là. Ma voisine est venue ce matin. Elle n'avait pas de poubelle. C'était le drame. J'ai dit, allez, bouge pas. Je vais te donner la mienne. Alors, mettons un peton. Puis deux petons. Attends, comme elle n'en a pas trois. Tout va bien. Voilà, ma nénette. On va soulever un peu ce petit ange. Et on va le mettre sur le ventre. On va mettre la,
salopette mieux derrière. Bon, t'as tes petits cheveux tout en l'air, ma canne. Allez, hop, on va lui tourner la tête pour pas qu'elle s'étouffe des fois que. Puis que vous l'admiriez surtout un peu plus de ce côté-là. Je sais plus d'où vient cette salopette, par contre. Je n'en ai aucune idée. Peut-être Sandy, dans les sacs Orchestra. On va regarder où est ce Orchestra. Il y a de grandes chances que ce soit Sandy, alors. Un petit bras. Hier, quand on a été à l'hôpital, on est passé devant, c'était fermé. Moi, j'avais compris que c'était rouvert, je n'avais pas fait gaffe. Mais c'est vrai qu'il y avait des horaires. Chez Orchestra, ils avaient laissé la boutique ouverte, mais que quelques heures par jour. Je pense que c'était pareil dans tous les orchestras de France. Puisqu'on a le droit, on avait le droit d'acheter en achat essentiel des vêtements pour les bébés de 0 à 2 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 2 ans, c'était plus de l'essentiel. C'était un peu stupide comme démarche qu'ils avaient à l'état, mais bon. Allez, samedi, c'est fini. Même si on laissera tout le monde courir faire les courses samedi et qu'on ira plus tard. Enfin, en même temps, moi, je suis greffée jeudi prochain, ça va venir vite. Hein. Donc, les boutiques, pour moi, c'est réglé. On verra ça en janvier, en février, ou je ne sais pas bien quand, d'ailleurs. Oh, c'est joli. C'est un peu grand, mais je m'en moque, c'est trop beau. Figurez-vous que je n'ai pas retrouvé mes vestes en jean. Impossible de savoir où est le curveur avec toutes les gilets et les vestes en jean. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc ça commence à m'inquiéter. On n'a rien jeté hein, en même temps. Mais où est-ce que je l'ai mis? J'en ai aucune idée. Donc il va falloir que je cherche ça sérieusement. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où je l'ai posé. Alors, ça me contrarie un peu, à vrai dire. Avec, bah, regardez, ça s'y présente bien quand même. On va lui mettre des petites oreilles de mini. À cette jolie Molly. Hop, on voit. Ouais, c'est mignon comme ça. On ne va pas trop la coiffer non plus parce que ça ne nécessite pas. On va lui trouver des souliers. On va faire ça ensemble. J'ai le cœur vert en dessous comme d'habitude. On va bien trouver quelque chose qui va avec les couleurs de son joli habit. Des baskets, oui. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Comment c'est? Bleu marine, rouge. Hein, il me faudrait des petites tennis blanches, ce serait l'idéal. N'en est pas. J'ai pas envie de remettre des baskets grises parce que ben, elle en avait et que j'avais envie de changer. J'en ai trop en fait, c'est pour ça que je suis indécise. N'est-ce pas? J'avais ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va mettre ça. Avec les chaussettes, je sais pas si ça va passer, mais justement, on va essayer. Allez, cherche la deuxième, elle ne doit pas être bien loin. Normalement, je n'ai pas besoin de tout vider ce coup-là. Vous allez voir que si. Bon, il me faudrait une boîte plus grande. Hein. Il n'y a pas. Hein. Elle est là. Elle est là, la deuxième. Je les avais pourtant attachées ensemble, les chaussures. Bon, ça s'est défait. Hein. Ça, c'est très casse-pied. On va recoucher cette merveille. Non, je vais devoir enlever les chaussettes. Allez, tu me prêtes tes chaussettes? On t'en mettra d'autres plus tard. Je vais juste faire le test. De toute façon, c'est blanc dedans. C'est bon. J'ai peur que son pied soit un peu grand pour la chaussure. Non, c'est parfait. Bon, il fait pas chaud sans chaussettes, mais ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça se voit pas. Allez. En plus, ça s'est volé maintenant, les chaussures. Hop. Regardez-moi cette beauté. Voilà, on va lui chercher bah, ces vêtements là que j'ai perdus parce que c'est quand même un monde. Un monde, un monde, un monde. Voilà mademoiselle, vous êtes très jolie. Très jolie Molly avec ses grands yeux bleus. Je vais vous la montrer de près. Je ne sais pas si vous aviez vu son joli visage de près, mais elle a un regard juste trop beau. Hein ma poupée? Bah oui, t'es la plus belle. Oh oui, t'es jolie. Moi je suis gâteuse et toi t'es jolie. Eh ouais, eh ouais, j'adore cette tenue, ça lui va trop bien. On va lui donner, puisqu'il ne doit pas être bien loin, son attache tétine que j'avais dans les mains tout à l'heure. Oh mon Dieu, fauti, fauti, où je l'ai mis? Si, j'avais sorti un blouson, il fait froid, et puis on va aller se promener dans le jardin tout à l'heure en sortant le chien. Alors on va lui mettre ce joli blouson mini
avec les petites oreilles, il y a la tétine dessus, tout va bien. Mets ton joli manteau, ça aussi c'est Sandy, c'est le sac orchestra de l'autre jour que je ne vous ai jamais montré en fait entièrement. Bon, vous allez finir par tout voir au fur et à mesure, c'est ça qui est bien. Hop, j'emmène la guirlande, en plus c'est fabuleux. J'arrive à la scotcher mieux que ça, cette guirlande, parce que c'est tellement léger en fait que ça se sauve. Voilà ma nénette, tu vas être prête pour aller faire ton petit tour avec mamie Marlène. Et puis voilà, alors j'ai dit à Zah, ouais, pendant que je suis à l'hôpital, tu m'en amènes un de temps en temps, Reborn et tout. Alors, faut que je demande à Aurélie, je voudrais des photos de bébé Jade. J'en ai, hein, des photos de bébé Jade, mais j'en veux encore. La case bonbon. Et puis, alors, j'ai reçu une photo fabuleuse ce matin d'une petite renaissance du kit Rosalie. Elle est juste à tomber tellement elle est belle. Hop. Bon, on va lui attacher quand même pour ne pas prendre froid. Regardez-moi, c'est mignon. Là, prête à aller faire un petit tour, ma nénette. Tu me redonnes ta mimine. Voilà. Alors, comment vous la trouvez, ma jolie poupée? Bon, ben nous, on va aller se promener. Hein, on veut se faire une attestation. On y va, ma grande? Allez, c'est parti. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis de continuer à vous protéger, de nous protéger. Soyez prudents. Gardez bien vos masques. Écoutez bien les consignes nouvelles. Elles ne sont pas forcément évidentes, peut-être, parce que je trouve que c'est un peu tout et n'importe quoi. On peut sortir tant qu'on veut, mais il faut faire une attestation encore. Enfin, il y a un truc qui... Voilà, je n'ai pas tout saisi, moi. Mais peut-être que vous en saurez plus, vous. Moi, je n'ai pas tout compris. Hein. J'avoue que... Allez, on vous dit à demain. Continuez à être mignon. Je la prends dans mes bras et nous, on y va. Bonne balade. Et vous aussi, prenez soin de vous. À bientôt.